Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past till unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout à tous, amis, c'est Paradoxe pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Mario et la Lapin Crétin Spark of Hope. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. On est parti aujourd'hui, du coup, pour quitter la forêt. Je sais plus comment ça s'appelle. Palette Prime, voilà. Donc, c'est pas du tout la forêt en fait. On avait fait tout ce qu'on avait à faire. Et donc, du coup, on va pouvoir se diriger vers la prochaine destination. Vers le prochain monde. Bon, on n'a pas fait beaucoup de quêtes secondaires dans cette zone-là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, on y retournera pour le 100%. Donc on est parti pour Terra Floral. Ok, et regardez, on se rapproche dangereusement de la petite terre. Je sais pas combien il y a de monde en tout, on verra. Donc on est parti. De Terra Flora, royaume des sources d'eau minérale naturellement gazeuses, des immarcessibles prairies, sans parler de l'infiniment célèbre arbre de l'éclosion. Franchement, Ginny, même toi ne peux entacher mon enthousiasme à l'idée de visiter le jardin de la galaxie. Malheureusement, si, je le peux. La forteresse de Cursa est désormais à portée de nos instruments. Cursa a érigé une barrière d'énergie de confusion tout autour, qui nous empêchera de faire atterrir notre vaisseau. Et cela, même si nous trouvons l'énergie de confusion purifiée pour l'atteindre. Edge, toi, tu dois connaître un moyen. Comment ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu connais Bibi, tu connais Minuit. Il y a bien quelque chose que tu ne veux pas nous dire, n'est-ce pas? Écoutez bien. Même si c'est le cas, c'est mon problème. Et croyez-moi, il vaut mieux que ça reste mon problème. Ou ça deviendra votre problème, compris? Donc les prairies qui ne fanent jamais, là, on va les voir en personne. Prêt pour l'atterrissage? Bizarre, ok. On t'a pas encore vu, toi. J'ai compris. J'ai rien, mais j'ai compris. Je dirais rien pour ce... parce que j'ai pas envie de m'avancer, j'ai pas envie de spoiler si c'est vrai. Mais bon, voilà. Oh, c'est beau.
Oh, c'est beau! La flore de Terraflora souffre. Ouais. Tout m'a l'air super normal à moi. En plus, j'y reçois plein de bouquets qui viennent d'ici. Une sécheresse approche. Le célèbre volcan d'eau de Terraflora, le mont Gicleur, est désormais en sommeil. Cette voix... Quelle incomparable beauté me tourmente ainsi de son feu à faire fondre l'âme. Son nom est Ginny, l'intelligence artificielle de pilotage et de gestion des systèmes de notre vaisseau. C'est pas lui qui parle. Ah, j'en suis. La peste sur votre maison. Vous dites que vous avez enchaîné cette pauvre créature. Ah, cette effronterie volante, ok. Et par quelle injustice, je vous prie? En réalité, aussi immatériel le plaisir inhérent à mes attributions soit-il, je trouve mes fonctions fort réjouissantes. Monsieur... Pardonnez-moi, dit Jenny. Mon nom est Sullivan, conducteur en chef de la ligne Wiggler Express. Rien ne me ferait davantage plaisir de vous prouver la supériorité de la vapeur, mais un regrettable problème sur ma ligne m'en empêche. Lorsque le wagon restaurant n'a plus de petits fours aux concombres, c'est un regrettable problème. Ça, c'est un tentacule de confusion. Par mes pistons. Si les ponts végétaux maintiennent maintenant. Si les ponts végétaux menant à mon train n'étaient pas fanés par la sécheresse, pardon, j'écraserais cette vilaine bête et forcerais vers le mont Gicleur en un éclair. Et foncerais vers le mont Gicleur en un éclair. Excusez-moi. Toutefois. Lire avec l'envie d'éternuer, c'est très désagréable. Toutefois, l'espoir serait... L'espoir, c'est jaillir de la détresse. Il vous suffit de trouver... De le trouver à l'arbre de l'éclosion. De l'éclosion. Sullivan. Nous irons voir l'arbre de l'éclosion tout de suite et verrons votre train bientôt, c'est promis. Ok, on est parti. Bon, excusez-moi, j'ai du mal à lire en sachant qu'en plus j'étais là. Excusez-moi. Bref, ok. Bon, on est parti. Qu'est-ce que tu me vends? Soin de 70% des PV, c'est intéressant. Ok, 12 pour la clé. Ok. Ok. Niveau 19. On n'est pas niveau 19, nous. Si. Si on est niveau 19. Ok. On est pile niveau 19. Bon, on va faire un petit peu de fight. Ça va faire du bien. Pour reprendre nos esprits. Ok, attention, ils ont l'air d'avoir des casques, les Goombas. C'est fou, mais la voix de Lapin Peach me dit quelque chose, honnêtement. Plus je l'entends, plus je me dis... Elle me dit quelque chose, mais je vois vraiment pas quoi.
Ok, les chargés, ça leur fait zéro dégâts. J'aurais peut-être plus de portée d'ailleurs en faisant ça. Attendez, je peux vraiment pas kill en fait. J'ai compris comment les kill. On les kill comme ça. Ok. On peut pas les taper en fait. Ok, autour ennemi. Je suis à galère du coup. Tac. Dégage. Oh là, je sens que ça va être la galère ça. Ça va être la galère tiens, comme mob. Ok, bon. Au niveau des quêtes, on a quoi? Oh, chelou la map. Commence pas là-dedans. Ok, faut qu'on fasse ça. Je comprends pas comment on va nous traiter que de balader en fait. Vaincre tous les ennemis. Ok, on n'a pas de Goomba spécial. Je l'ai loqué. Je pense que ça fait. Ok. Boum. Tac, on va activer ça. On active les robots. Tiens, dégage. Ok, on continue. Oh, genre.
Tac, là. Là, on va faire ça. Ici. On va faire Bowser, viens. Dans un premier temps, qui vont ça. Tac, toi tu te déplaces, non? Oh, limite, parfait. Ensuite. Toi, quand il arrive, tu peux pas vraiment planquer ici, là-bas. Le problème, c'est que là, voilà, là tu touches personne. Bon, écoutez, on va faire ça, hein. Ok. Ah, je t'ai pas eu toi. Tac, dégage. Suivant. Toi, tu dégages. Le petit regard, encore une fois. Bowser. Bowser, tu peux toujours rien faire, par contre. Vous savez quoi? Amusez-vous. Mince. T'es pas mort, toi. Il est là, ok. C'est bon. Facile. Parfait niveau 20. Parfait. Oui, plein de fragments. D'ailleurs, en parlant de fragments, attendez. Sparks. Niveau 21. Ok. Prochain niveau, on pourra les améliorer. Ok. Du coup. Oui, il y a tout ça aussi. Ok. Bon, ok, faut qu'on améliore notre pouvoir. Pour le moment, c'est pas notre cas. Ok. Donc c'est pour ça qu'à mon avis, il va falloir qu'on continue le scénario pour faire quoi que ce soit. Oh, attendez, sinon on peut s'attaquer à ça en fait. Niveau 20. Ok, on va faire ça.
Ok, il y a des Goombas à balancer. Ça va être trop lourd. Toi, tu dégages déjà. Bother. Dégage. Let's go. Et toi, hop. Bon, tu sais quoi? Va mourir en fait. Est-ce qu'ils peuvent prendre le jump ou pas? On dirait pas en fait. C'est une connerie ce que je viens de faire. Pas. Ah non, pas ça! Ah ouais, non mais ça c'est stupide par contre qu'ils utilisent du coup sans regard sur eux. Ouais, ça c'est stupide. Foiré, ça fait mal. Kaboum! Allez hop, tout le monde brûle. Ok. Oh quoi? Ah si. Parfait. Toi tu dégages. Non, ça servait à rien. Ouais, voilà. Hey, il fait mal en plus, ce bougre. Il fait très mal, ce bougre.
Mais... Crève au bout d'un moment. Oh mais oh. Voilà. Ok. Tac, parfait. Bon, ça c'est fait du coup. Le trophée du gramophone d'or remporté par le fantôme, catégorie meilleur album d'opéra. Le titre, 1000 heures de cris de Mario dans la larve. Oh mon dieu. Tellement horrible. Y'a rien là? Hé hé! Par là, par là. Ok. Ça doit être l'esprit de l'arbre de l'éclosion en personne. Venons en paix. En réalité, nous pouvons... Est-ce qu'on va avoir un nouveau perso d'ailleurs? A retrouver sa floraison naturelle. Entrez et tentez d'accéder à mes branches supérieures. Nous nous verrons bientôt si vous êtes digne. Bien sûr, ô grand esprit de l'éclosion, merci. Vous ne le regretterez pas. Ça pue la connerie. On s'essuie les pieds avant d'entrer. Bien sûr. Ça pue la connerie. Je vous le dis clairement, ça pue la connerie. Ok. Parfait. Le premier album de Bettina fut qualifié de trop commercial et visant un public aussi jeune qu'idiot. Qui écoute ce genre de bêtises? Ta playlist comprend 6 versions live de cet album, Bipo, dont une version remasterisée sortie la semaine dernière. Ouch. Ouch. Ça sort les termes qui font mal. Ça sort les termes qui font mal. On peut pas les planquer. Je sais pas trop où je vais, mais bon, j'y vais. C'est déjà pas mal. Oh, c'est des pièces, ok. Bon. Pourquoi pas. Tu disais par là. Ok. Merci pour l'échelle. Bettina a viré son manager et lancé un album expérimental entièrement produit sous l'eau. D'accord. Les critiques l'ont qualifié de petite crise d'ado crypto-artistique ne convenant qu'au snobinard pseudo-intello. Personnellement, j'ai adoré. D'accord. Par là.
Et on a le bloc qu'il nous faut pour ouvrir la porte. Ok. Enfin, tu m'as dit. Ouais. Ok, bon. J'ai réussi à le faire sans la... sans l'aide. Ok, par là. Pas d'étendre les échelles avec quelque chose en main. Ok. J'ai jamais fait attention. J'avais jamais fait attention. C'est bon, je l'ai. Ok. Du coup, maintenant qu'on a ça, ok, je crois que j'ai compris. On peut aller là. On peut péter ça. Oh bah parfait. Ah oui, ok. Je pensais que c'était carrément pour là-bas, mais ok. Fais les choses dans le bon ordre sans le savoir. Ça c'est cool. Bettina est une warrior. Sa carrière de chanteuse terminée, elle s'est exilée à Terra Flora pour se reconvertir en agricultrice bio. Heureusement, il nous reste plein d'albums merveilleux de Bettina pour nous souvenir de sa voix magnifique. Mais pas celui-là. Sur cet album, elle ressemble à une tronçonneuse rouillée. D'accord. Pourquoi pas? Ouais, c'est joli une tronçonneuse rouillée, non? Ce symbole est important, je crois. Ok. Ok, donc ça, on peut l'activer. Si y avait dehors, on peut pas, mais ça on peut. Étrange. Ok. Et également, on a ça à se faire. Ok. Niveau 20. Couverture d'album. Y a pas de Goomba, vaincre 8 ennemis, ok. Ok. Alors, du coup, voyons voir ce qu'on peut faire. Kaboum! Voyons voir ce que ça donne, ça. Parfait, les deux brûlent. Et le dernier, il brûle en plus. Oh là là. Ça, c'est parfait. Ok. Du coup. On continue là. Hop, on l'achève. On active ça pour au cas où Claude il décide de bouger. Toi, tu dégages. Parfait. Ça aura pas servi à rien déjà. Mais oui, je m'en super mal par contre.
Dégage, en fait. Ça m'empêchera pas de te faire des dégâts. Voire même de te buter. Et toi, te déplacer, ça te tiendra à rien, donc on va rester. Reste là. On a perdu Bowser. Ah non. On a eu du pot. Si on a perdu Bowser. Pas grave. Oh, ils sont tellement en même temps. On a battu combien là? C'est pas mieux, on en a un. Le problème c'est que là... Ouais voilà, là je suis personne d'autre. On va faire ça. Raté. Parfait, vous bougez pas. Et toi, soigne là, enfin soigne tout le monde. Toi déjà, tu dégages. Ça, moi, tu souffres pas. Ok, c'est pas grave. On a le temps. Ça va, vous avez pas l'impression d'être masse. Ok, du coup. Hop. Si jamais je prends des dégâts, moi, qu'est-ce que je peux envoyer?
Peut-être qu'il y a lui aussi, faire attention. C'est vrai qu'il y a lui donc faut faire attention. Comme si qu'il est en mode dégâts. Regarde. Oh, j'ai rien fait avec le pub, avec la pointe petit, pardon. Ok. Tac. Ok. On peut taper toi à la limite. On va se débarrasser de toi. Ça te tue pas. Chier. Parle. Là t'es mort. Oh, Mario va prendre super cher. Ok, il va prendre super cher, il va prendre des dégâts, ouais, mais... Ça passe en vrai. Ok. On continue du coup. Fais gaffe à lui qui a un grand mode dégâts. Moi je peux t'attaquer, est-ce que toi tu peux? Toi tu peux pas. Ouais voilà. Parfait. Hop, à vous. On s'en fait, tiens, on les élimine petit à petit. Pas tout ce qui était prévu. Pourquoi ils se déplacent pas? Pourquoi ils sont considérés comme... Ils viennent se déplacer, non? Peut-être pas. Bon, lui, par contre, lui, il s'est déplacé. Et il fait mal. Il fait très mal. Ok, on va descendre Mario là-dessus, par contre. Ou pas, on n'aura pas le temps. C'est chaud un peu cette histoire. Mais c'est fini. Wow, c'était pas évident. Oh, c'était dur. C'était très dur. Une toute nouvelle génération de fans suivirent Bettina lorsqu'elle fut la présentatrice vedette du Galactovision annuel, le grand concours de chansons. Oh, on le connaît lui, le fantôme. Malheureusement, le fantôme fut son co-présentateur. Les deux tentèrent en permanence de se voler la vedette, ce qui eut raison de leur voix. Fantôme, on le connaît lui, dans le 1. Bettina a interprété la chanson officielle du lutteur du littoral lumineux le soir de sa grande finale du Galactomania, le championnat de catch galactique. C'était l'une de ses très mauvaises décisions en termes de comeback, même si elle a fini par maîtriser le double souplex à rotation inversée. Ok. Bon.
Bah allons, continue. On continue par là. Qu'est-ce que c'est ça? Ok, charme d'immunité. Je pense que prochain fight, il va falloir qu'on voie pour peut-être soigner tout le monde avec la pampique. Ah ok, ça déplace la plateforme, ok. Ok, ok, ok. Alors attendez, il y a quoi là? Bon, là c'est des pièces, ok. Là il y a quoi? Ok. Ok, ça me permet de monter là, mais également, ça nous permet d'aller là-bas. Vers lui, certes. Déjà, vers lui. Et vers peut-être autre chose. Vaincre le loup solitaire. Il est où? Il y en a 4, ok. Ok, il y en a un là déjà. Si je tape ça, c'est quoi? Ça tue. Là au moins je te tue pas forcément. Ok. D'ailleurs, attendez. Voilà. Non, pardon. Oh non, il meurt pas. Bah lui, il a l'air sympa ce petit jeu. Wow. Il est cool. Il est bien bien cool. Non, vraiment, il est super cool. Il est sympa. Beaucoup mieux que le premier. Beaucoup mieux. Oui, mais de toute façon, très différent. Ouais, mais attendez, comment est-ce que je vais pouvoir taper? Je vais pas pouvoir taper en fait. Je ne vais pas pouvoir le taper en fait. À moins de faire ça, d'essayer de le taper. Essayer d'essayer de faire qu'il prenne les dégâts de feu pour le rapprocher de moi. Ça marche aussi de tout casser. Ah. C'est pas ce que j'avais prévu moi. J'avais prévu de tout casser mais de pouvoir taper quelqu'un derrière. Ah. Ah. Ouais bah ok. Ah il est là le dernier. C'est pas le dernier d'ailleurs. Toi tu dégages déjà. Dégage. C'est bon? C'est bon. Ok.
Et parfait, tout le monde est redevenu full bi. Parfait. Parfait, 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 parfait. Oh! Mais attendez, ça me servait à quoi venir là? Je trouvais le premier un peu mou. Je sais plus. Le premier. Peut-être. Peut-être. C'est vrai que celui-là est... Bah déjà il y a beaucoup plus de choses à faire. Du style, là on est dans les grands hubs. Bon, pour les gens de la rediff, on va arrêter cet épisode là. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Sinon vous savez quoi faire. On met le petit like, le petit commentaire, bien évidemment. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. On n'hésite pas non plus à partager la chaîne avec vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner. Merci à tous ceux qui le feront. On se donne rendez-vous du coup très bientôt pour le prochain épisode. Même heure, même chaîne, bien évidemment. Merci à tous, c'était Para. Salut tout le monde. Allez, bye bye tout le monde. Ciao ciao, bye tout le monde.